Dans cette vidéo, je vais jouer à l'update 22 de Bloxfree avant tout le monde et même pouvoir tester le Dragon Reward. J'ai contacté Zul sur Twitter et je lui ai demandé si je pouvais jouer à l'update 22 de Bloxfree. Et après 3 semaines d'attente, j'ai toujours pas eu de réponse. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un faux jeu Bloxfree incroyable, mais vous êtes vraiment pas prêts. Et aussi, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà joué à des faux jeux Bloxfree. Et n'hésitez pas à mettre votre pseudo Robux dans les commentaires, je vais essayer de tous vous ajouter. Mais avant que la vidéo débute, assurez-vous de vous abonner, activer la cloche et lâchez votre plus gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. D'accord, là je viens de rejoindre. Là on est dans une protection de la zone de sécurité. Ok, en gros c'est une zone safe. Oh ouais, je peux sauter en plus. Attendez, attendez, me dites pas ici on peut dash. Attends, on va tester ça tout de suite. Bam bam. Ok, non franchement il y a le même système que bleu. Ouais, je fais des saltos aussi. En plus je peux même esquiver de la droite et tout ça. Regardez, là c'est bon, regardez, je contrôle le move. Bam bam bam. Maintenant j'aimerais bien savoir pourquoi il y a encore des Pères Noël. Dans l'inventaire il y a écrit sanguine. Attendez, bam 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 bam. Ouh. Oh non, les attaques ils sont vraiment bien fait. Pas mieux que Bloxfree, mais voilà. Cliquez pour interagir. Ok, on va cliquer dessus. Hop là. Je te donne des fruits gratuits. La question est, tu le veux? Ok, les gars, je viens de comprendre. Ouais, en fait, c'est des faux Zul. Bah voilà, ça t'apprendra, Zul, à pas me répondre, frère. Eh, s'il vous plaît, vu que vous êtes des Pères Noël, passez-moi des bons fruits. Acceptez. Ok. Nous avons un fruit mystère. En plus, le point d'interrogation, il est en jaune. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de légendaire. On va cliquer dessus. Wesh! En plus, ça s'allume de malade. Mais c'est incroyable. Attendez, voulez-vous manger ou laisser tomber ce fruit? Bah non, on est là pour le manger. Donc, allez, hop là, mangez. Fruit du ressuscité. Vous savez quoi, on va sortir de la zone safe. Hop 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 hop. En fait les gars, si on le traduit en anglais, ça fait revive. On va tester la première mastery qui s'appelle appel de rage. Bam. Wesh. Oh mais c'est stylé de fou. On va tester le ragging shout. Boom. Oh oui, en fait j'avais bien raison, regardez, il y a des fantômes. Mais c'est vraiment le fruit du revive. Franchement pour un faux Bloxfree, il est vraiment bien fait. Là on va tester la mastery de frapper. C'est bam. Ça fait quoi? Oh le big flop. Et je parle pas de big flow et Oli. C'est nul. J'ai retesté la mastery C et regardez ce que ça m'a fait. Donc là c'est parti. Wesh. Wesh. Enfin bref, je pense que la mastery elle est un peu timide. Ok, réveil. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus il y a même pas de touche pour ça. Bon allez, c'est parti. Bam. Je clique dessus depuis tout à l'heure mais ça veut pas. C'est quoi le vagabond? Attendez, vous savez quoi? Bam V. On peut fly avec. Ok, waouh. Wesh wesh, il va dans tous les sens. Non non, je suis trop rapide, je suis vif, je suis devenu un Saiyan les gars. En plus on peut dash avec. Bon c'est reparti. On va chercher le deuxième fruit. Bon le Père Noël, je sais que t'es plus généreux que Zol. Donc fais-moi le gentil s'il te plaît. Allez hop. Espérons qu'on a le fruit du dragon. Non, on a eu le fruit du love. Voilà, on va se positionner comme ça. Vous donnez une note sur combien sur la forme du fruit? 6 sur 10 en vrai. On va manger le fruit du love. Oh non, me dites pas il y a deux masteries pour ça. Mais c'est nul. Bon on va voir ce que ça fait la mastery Earthrage. Boum. Mais wesh les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grave, on va tester la mastery explosion de cœur. Boum. Une minute du silence pour le fruit de l'amour qui a pas été respecté sur ce faux Bloxfree. Hein. Non mais clairement on peut le dire. Hein. Coucou le Père Noël. Comment vas-tu? Passe-moi le fruit du dragon. Ou je sais pas, le mammouth. Ouh là là. C'est quoi ça? Wesh les gars, on a eu quoi là? Non franchement il a été généreux je crois. Non mais les gars, me dites pas que c'est Shadow. Le seul fruit qui a des ailes dans Bloxfree, c'est Shadow. Hein. Oui, il y a vraiment que ça. Bon attendez, on va tester ça. C'est quoi? Manger. Me dites pas c'est le fruit du dragon les gars. Mais non, arrêtez frère. Me dites pas c'est le fruit du phénix. On dirait même pas du tout le fruit du phénix. Frère, la couleur elle est trop macabre, hein. Noir, rouge, c'est quoi ce fruit? Et en plus de ça, les gars, on a 4 masteries et ça, c'est parfait, les gars, on va tester ça. Les effets de l'attaque de Phoenix, ils sont bien évidemment bleu et jaune. Mais bon, le fruit, je sais pas ce qu'ils ont fait. On va retester le Z. Bam. Mais ça a rien fait, wesh. Attends, 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 on va sauter, hop, hop, hop. Et on va attaquer vers le bas, bam. Ouais, là, c'est bon, on voit la différence en vrai. Et là, on va tester la mastery pied de Phoenix. Boum. Oh, mais non, me dites pas qu'on peut mettre un coup de pied du Phoenix. Allez, boum. Wesh. Non, ça a l'air d'être de la frappe. J'aimerais bien tester ça en PVP. Et c'est pour ça, les gars. À la fin de cette vidéo, je vais combattre un abonné. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va tester la fureur du phénix. Allez, bam. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Mais dis pas, il s'est blessé au genou. C'est pas facile. Boum. Wesh. Wesh. Non, 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 non. C'est de la frappe de bise. La tête de homme, je kiffe. Je kiffe ce fruit. Mais il est incroyable là. Dites-moi dans les commentaires si ce fruit aussi vous le kiffez. Bon, maintenant on va tester le vol de phoenix. C'est parti, le fly. Bam. Ok. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais c'est vraiment incroyable. L'animation est vraiment bien. Enfin, regardez-moi la transformation. Wesh. Bon, il ressemble pas du tout au phoenix. Est-ce que je peux attaquer avec la transformation? J'appuie sur Z. Ça a développé une nouvelle attaque en fait, d'accord. Maintenant on teste le X. Boum. Ok, c'est bam. Oh 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 oh. La fureur du phénix. Celui-là il est vraiment pas mal. Lui clairement c'est le best. On va voir celui-là. Bon toi t'es l'avant-dernier. Franchement je vais te dire un secret. Passe-moi un peu
de free, s'il te plaît, ok? Ok, mon gars? C'est bien. Allez, c'est parti, on clique dessus. Boum! Accepter. Bam. Oh non. Oh non. Oh non, je vais tout casser. Je vais tout mélanger là. Vous savez quoi, on va laisser tomber. Eh frère, redonne-moi un bête de free, s'il te plaît. Allez, boum. Ok, on a eu quoi? Non. Alors là, c'est vraiment du foutage de gueule. Je vais tout casser. Laissez tomber. Hop. Je comprends pas. Ils essayent de me faire une décoration là. C'est comment? On reclique dessus. Accepter. Oh, c'est quoi ce fruit? Non mais les gars, dites-moi dans les commentaires. Vous avez une idée de ce fruit? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti, on va manger ça. Smoke. Et en plus, il a 3 masteries. C'est parti. Z, boum. Bon, c'est pas ouf ici, mais vas-y, tranquille. Là, on va voir ce que ça donne, la Mastery X, là, pour voir. Bam, rage de fumée. Boum, ok. Rien de spécial, hein. Bon, après, il fallait s'en douter, c'est le fruit du fumé, donc c'est guess. Là, on va voir ce que ça donne, le vol de fumée. Est-ce qu'il y a une transformation pour ça? Bam, c'est quoi ça? Ils ont fait quoi sur le fruit? Ils ont fait du grand n'importe quoi. J'ai même pas de jambes. Eh, vas-y, on enlève ce fruit, frère. Allez, hop. C'est quoi ce fruit de Golemon? Le dernier. J'espère pour toi que tu me prépares que du lourd. Montre-moi qu'est-ce que t'as. Je vais fouiller dans ton sac. Hop là. Boum, on a eu quoi? C'est quoi ce fruit? Mais pourquoi ce fruit est noir et vert? Attends, je ne comprends pas. Manger? C'est le fruit de la bombe, les gars. Lancer de bombe? Me dites pas que je suis en train de lancer une grenade. Mais il se croit dans Call of Duty, le boug. Attends, boum. Ouais, j'ai des idées de bresson là. J'ai envie de faire des trucs de fou avec la bombe. Boum, colère de la bombe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il dépop le truc rouge? Je comprends pas, allez hop, boum. Non, c'est gaze, c'est gaze. Accepté, on a eu quoi? Oh, mais non, je veux pas y croire. C'est le fruit du Gomi Gomi Nomi Gear 5. Et avec ce fruit là, je vais devoir me battre contre l'abonné. Bon, là les gars, regardez, j'ai invité l'abonné qui s'appelle Ismaka. On dirait Kiriku, hein. Oh, il a eu quoi comme fruit? Allez, c'est parti, viens, on va se fight. Wesh, il est où? Wesh, il arrive pas à sauter. Bah, oh, vu sa petite taille, ouais, ça m'étonne pas. Allez, saute. Ça, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai sorti les éclairs. Boum. Non, vous êtes des menteurs. Deuxième round, je m'en fous. Techniquement, j'ai perdu. Ah, les gars, je vais devoir mourir. C'est parti. Bam.